On annonce aujourd'hui une série de mesures pour 28 jours. Et là, donc, au lieu de tout reconfiner, c'est un gros coup de barre qui est donné pendant 28 jours. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la Vice-Première ministre, Dr. Arruda. Justement, sur les manifestations, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des débordements qui mènent à l'utilisation de moyens plus coercitifs? Pour disperser, par exemple, ces manifestations-là. On sait que les gens qui participent, surtout les anti-masques, il faut s'attendre à ce qu'ils ne portent pas de masque dans leurs manifestations. Là, ça irait un peu à l'encontre du message qu'ils essaient de passer. Est-ce que les policiers sont prêts à se rendre jusqu'à l'utilisation de la force? The search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. C'est des gaz lacrymogènes, des outils qui sont à leur disposition pour disperser les foules. Ben, écoutez, il y a des gens qui nous demandaient de poser le geste qu'on pose aujourd'hui il y a quelques semaines. On a essayé d'abord de prendre le temps, puis la vice-première ministre l'a fait, de rencontrer les corps policiers. On sait qu'on se souvient ce qui est arrivé avec les étudiants à Montréal. Incroyable! On voulait être capable de reporter ce moment-là le plus longtemps possible. Mais je comprends bien que vous êtes prêt à assumer le recours, par exemple, à l'anti-émeute ou mais à c'est la... C'est pas ce qu'on souhaite, là. Moi, je comprends, mais je comprends que c'est pas ce que vous souhaitez, ça. Je pense pas qu'il y ait aucun... que même les policiers souhaitent ça non plus, là, mais vous êtes prêt à assumer l'utilisation de ces moyens-là advenant à la nécessité. Oui, bien, il y a une gradation, là, comme ailleurs. Quantas vezes é preciso dizer que teve andar sempre atrás de mim? Somente capta! Capta! Siga-me! En ce moment, ce qu'on annonce, c'est une question aussi de moyens. Il faut donner à nos policiers les moyens concrets d'intervenir dans les décrets. Il y a des gens, parce que là, veut pas avoir une contravention de 1 000 $ puis il y a des frais qui viennent avec ça, fait que ça finit par tourner autour de 1 500-1 600. Puis ultimement, si on devait recourir à d'autres moyens, on n'en est pas là. Pour l'instant, on franchit une première étape de mesures plus répressives. De mesures d'encadrement des manifestations. Mais ultimement, s'il faut franchir d'autres étapes, bien, on avisera en temps et lieu. Puis si on doit poser certaines actions, on le fera. Monsieur Legault, vous avez parlé du réseau d'éducation qui est en péril. Pourquoi ne pas avoir resserré là, les mesures dans les écoles en zone rouge, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles en ce moment? Bien, c'est pas exclu pour l'avenir. Mais actuellement, bon, puis je laisserai peut-être le docteur Arruda compléter, c'est pas là qui je sais que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait beaucoup de transmission dans les écoles, là. Pas certain que c'est aussi clair que ça. Mais peut-être, vous pouvez parler des écoles. Bien, écoutez, on suit la situation de très près, là, comme on l'a dit, la transmission, elle est très communautaire, elle est pénétrée de différents milieux, les résidences de personnes âgées, les milieux scolaires. On voit, bien entendu, c'est normal avec ça, que de la transmission, il peut y avoir de la transmission au niveau scolaire, mais elle n'est pas majeure encore. Mais on surveille de très près la situation. Je pense que là, la situation est assez complexe. Hein. Les gens ont tendance à trouver qu'il y a une cause qui fait que ça augmente. Je pense que c'est une série de facteurs. Là, on essaie de frapper là où il y a probablement le plus de chances. Mais on est en évaluation continue de la situation scolaire. On est en discussion avec le ministère de l'Éducation. S'il y a des mesures supplémentaires à ajouter, on va le faire. Mais toujours en balançant cet équilibre entre l'accès à l'éducation pour ceux qui en ont véritablement besoin, surtout là, parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne bien en télétravail, en téléenseignement ou autre. Fait que, c'est aussi un élément très protecteur, le milieu scolaire, pour plein d'autres facteurs que ceux-là. Mais bien entendu, les rassemblements, tu sais, les adolescents qui se retrouvent ensemble, il faut falloir qu'on voit comment on peut gérer aussi la période pré
pendant l'école, puis après l'école, tout de suite.